Vous me dites. Alors on attend qu'il y ait un peu de monde sur le live. Okay. Ouais, c'est parti. Alors qui est-ce que je regarde? Seb. Oui, plus ou moins. Plutôt, ouais. Alors, est-ce que ça arrive? Là, t'es en live ou pas? Je suis en live. Bon, bah salut les copains. Donc, bienvenue chez Gilets Jaunes Constitution du 91. Et aujourd'hui, juste pour vous les copains, on a un super cadeau. On a Michel Pinson-Charlot qui a nous fait le plaisir de venir nous voir, de discuter avec nous. Monique. Et qui va également nous parler de son dernier livre, Le Président des Ultra-Riches, les copains. Et oui, c'est lui qui nous a mis dans la rue. Voilà. Alors, donc on reçoit donc Monique Pinson-Charlot. Nous, bah, par rapport à notre équipe, donc on vous a expliqué un petit peu avant, c'est de mettre en lumière l'oligarchie d'une manière ou d'une autre et d'avoir de refonder notre société par la constitution citoyenne qui pourrait advenir, etc. Donc on va commencer sur le président des ultra riches. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que vous dites dans le livre et surtout te présenter déjà. Oui, vous présenter et présenter le livre. Non, mais merci en tout cas pour cette invitation originale, nous retrouver au fin fond de l'Essonne dans une belle boulangerie à parler avec vous, à échanger, c'est un super cadeau. Donc avec Michel, mon mari, on est tous les deux des sociologues qui avons travaillé au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, avec le statut de chercheur, c'est-à-dire où on est payé pour faire de la recherche fondamentale et donc d'une certaine manière chercher et trouver de nouveaux terrains d'enquête, faire des découvertes en quelque sorte. Et donc, comme on voyait que tous les autres sociologues travaillaient que sur les pauvres, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes, mais il n'en demeure pas moins qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison de laisser les riches et les dominants à l'abri des investigations sociologiques, parce qu'on fait l'hypothèse que s'il y a tant de pauvreté et de misère dans notre pays et de problèmes, c'est qu'il y a une cause, et cette cause-là, on va aller la chercher dans les beaux quartiers. Et donc, c'est avec Michel, on a fait comme ça 30 ans d'enquête, on a écrit 27 livres à quatre mains. Et puis, ben là, on va parler donc du dernier, le président des ultra-riches, qui symbolise justement un aboutissement de la violence de classe que nous n'avions pas connue ces dernières décennies. C'est-à-dire que nous avons déjà écrit avec Michel un livre qui s'appelait « Le président des riches » en 2010 qui concernait Nicolas Sarkozy, avec un bouclier fiscal qui coûtait 1 milliard d'euros en moins dans les caisses de l'État. On trouvait que c'était déjà énorme. Et là, on a appelé Emmanuel Macron le président des ultra-riches. L'étape d'après. Et ultra-riche parce que d'une part, les cadeaux qu'il a fait, le pognon de dingue, qu'il a donné à ses camarades de classe se chiffre en dizaines de milliards d'euros, et que par ailleurs, la violence ultra, donc de très gros cadeaux en dizaines de milliards d'euros, et sans jamais aucun contrôle, hein, les riches, ce sont des investisseurs, ce sont des créateurs de richesses, ce sont des gens en col blanc avec de jolis costards, qui eux ne grugent pas le peuple, donc on n'a pas besoin de les contrôler, contrairement aux travailleurs, aux fraudeurs, aux chômeurs qui sont toujours susceptibles de frauder les autres. Ça, c'est la version officielle, on pourrait dire. Quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr, je le dis de manière, oui, bien sûr, de manière ironique. Et ultra, la deuxième raison pour laquelle on a dit ultra riche, c'est que bah, y en a marre que les travailleurs, les salariés, les membres des classes moyennes et des classes populaires soient systématiquement stigmatisés, méprisés par cette oligarchie qui a placé Emmanuel Macron à la tête du pouvoir avec l'élection présidentielle à l'Élysée. Donc les ultras, ben c'est pas nous, c'est eux. C'est-à-dire ce sont les propriétaires des moyens de production, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des valeurs mobilières, c'est-à-dire de tous les produits financiers qui constituent les trois quarts
Donc je ne parle pas assez fort d'habitude. Oui, on nous dit sur live qu'on n'en entend pas très très bien. Mais... Alors, est-ce que je ne recommence pas tout? Non. Bon, ils ne disent pas qu'il faut que je recommence. Non. Bon, alors donc les propriétaires donc, des moyennes productions, ceux qui possèdent aussi toute la finance et tout ça, ces gens-là deviennent extrêmement violents maintenant. Et on le voit avec la répression du mouvement que vous représentez aujourd'hui. On le voit aussi avec les petites phrases de dédain de Macron qui sont un peu nouveaux quand même pour un président aussi. Les petites phrases, il y a ceux qui sont quelque chose, ceux qui ne sont rien dans les gares, etc. Oui, ça vous avez raison. Et d'ailleurs, nous... Les masques tombent quelque part, c'est là où je veux en venir depuis Macron. Qu'est-ce que vous... Oui, les masques tombent, c'est peut-être pas l'expression que j'utiliserais. C'est plutôt que nous, avec Michel, on parle de guerre de classe. C'est que la guerre s'intensifie au fur et à mesure que la planète est en danger, c'est-à-dire que les ressources à piller deviennent plus rares, que les gens sentent bien qu'ils sont de plus en plus dominés, esclavagisés, déshumanisés. Donc les riches sentent très bien qu'ils sont sur un fil comme un acrobate, quoi, que ça risque de péter d'un jour à l'autre. Donc ils deviennent plus agressifs, plus violents. Et quelle était votre question ? Oui, je disais que... Sur la violence verbale, en fait. Mais même la violence verbale. La violence verbale, oui. Et même le dédain de classe, Macron le fait bien ressentir depuis... Oui, alors, excusez-moi, mais le mépris de classe d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, le premier chapitre de notre livre, on l'a appelé le méprisant de la République. D'accord. Hein, parce que ce n'est pas des petites phrases comme ça, ici et là. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une politique de classe absolument cohérente. Et dans ce travail, justement, ce qu'on a essayé de faire avec Michel, c'est de tricoter ensemble la personnalité d'Emmanuel Macron, son parcours socio-biographique, sa politique économique et sociale, et en même temps, la constitution du maillage oligarchique de ses réseaux à chaque étape de cette trajectoire. D'accord. Et donc, on arrive à la fin du livre à capter une cohérence du président, du monsieur, et de l'oligarchie qu'il a placé par des dons absolument fabuleux, parce qu'il a été, on ne peut pas dire qu'il ait été élu, il a été élu par une toute petite minorité au final, et les forces d'argent ont placé Emmanuel Macron à la tête de l'Élysée. Rien que par le matraquage médiatique qu'il y a eu 3 ans avant les élections, etc., sur Macron, qui était très bien préparé. Enfin, voilà, alors oui, si c'est important, parce que justement l'oligarchie, Ça désigne une classe sociale au sommet du pouvoir qui se met à prédater, à faire main basse avec tout son argent sur la politique. Et donc l'oligarchie à l'Élysée, ça veut dire que désormais, elle va pouvoir piller l'argent du peuple à sa guise, avec des systèmes très au point, le lobbying, avec le pantouflage systématique. Tout est bon pour arriver à piller le peuple, en méprisant le peuple et en étant capable de réduire les allocations de logement de 5 euros. Mais 5 euros, si vous multipliez ça, ou 50 euros en plus, si vous multipliez ça par 6 millions de personnes concernées, ça fait du pognon de dingue pour les riches. Je vous coupe une seconde parce qu'en fait, il y a des gens qui nous rejoignent en même temps en live, qu'on me demande le titre du livre. Alors, le livre, donc, le président des ultra-riches, voilà, les amis. De Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Donc. Voilà, spécialement fait pour les gilets jaunes, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Bah, parce que là, vous allez avoir les réponses à beaucoup de vos questions. Hein. Donc on continue, oui. Donc Monsieur Macron a été placé là donc par l'oligarchie. Et cette oligarchie, donc, elle comprend le monde des médias, parce que regardez en France, 10 milliardaires possèdent 90% des médias. Bien sûr. Et ce qu'il reste de public, est dans le même moule finalement, parce que qui c'est qui nomme les directeurs de chaîne, c'est l'exécutif. Donc au final, il y a très peu de médias indépendants pour livrer la bonne parole. Ouais. Et donc ces milliardaires, c'est intéressant de se poser la question, tous les médias sont en déficit. Ouais. Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent comme ça dans les médias ? C'est pas pour se faire du fric. Non, c'est pour manipuler nos cerveaux. Ouais. Fabriquer l'opinion quelque part. Exactement. Ouais. Et tous les instituts de sondage, par exemple, ça ne se sait pas, sont tous aux mains
de milliardaires et de grandes fortunes. Ouais, ouais, ouais. Et par rapport à ça, justement, nous, on va souvent devant BFM, CNews, on essaie de rencontrer des ce qu'on appelle les éditocrates. Et quand on en rencontre, ils nous disent, oui, par exemple, pour BFM, on nous dit, c'est pas Patrick Drahi, ils caricaturent souvent, vous voyez, à nous dire, c'est pas Patrick Drahi qui m'appelle et qui me dit ce que je dois écrire. Qu'est-ce qu'on... Alors nous, on leur répond de notre façon, mais qu'est-ce que vous leur répondriez parce qu'on... Il y a une forme d'autocensure, ça c'est quelque chose qu'on arrive à mettre le doigt dessus, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection qui est caricaturale malgré tout ? Bah oui, parce que je veux dire, ils sont cooptés, ils sont embauchés parce qu'ils ont un... Parce qu'ils respectent une certaine ligne idéologique, oui. Un curriculum vitae, ils parlent comme on doit parler, ils sont... Ils sont dans la ligne, mmh, hein, mmh. On appelle ça des... À la suite de Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde. Oui, c'est ça. Hein, ouais, ouais. Et donc, ils sont là. Alors, ils n'ont pas du tout le sentiment, ils sont sincères, ils n'ont pas du tout le sentiment d'être de censurer. Oui, c'est ce qu'on remarque. Voilà. Mais mm-hmm. Faut dire, ils ont été recrutés pour faire le boulot quand même. Mais ils s'auto-censurent, quelque part. Non, parce qu'ils sont, sont en cohérence. Je veux dire, c'est difficile à comprendre pour nous quand on est agité par la pensée critique et par le fait qu'on trouve qu'on ne peut plus vivre dans une société française qui fonctionne comme elle fonctionne et une Europe comme elle fonctionne, un capitalisme aujourd'hui totalement mondialisé et financiarisé. C'est plus possible parce que c'est incompatible avec le dérèglement climatique et la violence de classe qui va en résulter. D'accord. Je refais encore une petite parenthèse. Pour ceux qui nous suivent, posez vos questions à Monique. Elles sont écrites en même temps et on les posera là à la fin de l'entretien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc sur la suite du livre, continuons. Oui. Je vous laisse faire votre... Alors donc, on voit bien que Emmanuel Macron est l'emblème absolument parfait. Ancien banquier Rothschild aussi. Oui, alors lui, il dit, mais regardez, je suis issu d'Amiens, une petite bourgeoisie d'Amiens. Bien sûr, on le lui concède, mais n'empêche que l'ambitieux était là et a tout fait pour capitaliser d'une façon extraordinaire tous les grands de ce monde qu'il a pu côtoyer, qu'il a séduit et puis qu'il a mis tout ça à son profit. A commencé par Jacques Attali, d'ailleurs, qu'il a très fortement plébiscité où il pouvait. Voilà, qu'il a promu à cette fameuse commission Attali, qui a permis à Emmanuel Macron de travailler pendant plus de 4 ans à la banque Rothschild, d'une part comme directeur et ensuite comme associé gérant. Ah, je ne savais pas que c'était directeur. Oui, hein. Enfin, directeur, on est tous un peu directeurs. Il faisait du private equity. Il faisait service fusion-acquisition, puis ensuite associé gérant. Et pendant cette période-là, chez Rothschild, à la banque Rothschild, il a quand même fait une négociation à 9 milliards d'euros qui lui ont rapporté à lui 2,9 millions d'euros en quelques années, plus 400 000 euros de salaire annuel. Donc il est devenu millionnaire avant même d'avoir 40 ans. Et il me semble d'ailleurs, sans vouloir dire de bêtises, que le fisc se demande toujours où sont ces 2,9 millions. Hein. Mmh. Il semblerait, parce que là après on ne sait pas ce qui relève du mythe ou de la réalité. Voilà. Mais... Après, donc il a été parfait. Il est ensuite, pendant qu'il était toujours banquier chez Rothschild, il a quand même accompagné toute la candidature de François Hollande pour la partie économique, cette fameuse politique de l'offre avec le CICE, le pacte de responsabilité, tout ça c'est Macron. Alors comme candidat hors système, on fait quand même mieux. Ensuite, dès que François Hollande est élu à la présidence de la République, il nomme comme secrétaire général adjoint Emmanuel Macron, qui reste jusqu'à ce qu'on lui demande de partir, mais là, on ne le laisse pas tomber très longtemps, puisqu'il est tout de suite nommé ministre de l'économie et des finances. Ouais, ouais. Et dans notre livre, nous montrons avec Michel, en nous appuyant sur un livre du secrétaire du ministre du budget, Christian Ecker, que Emmanuel Macron s'est servi de sa position à Bercy comme ministre de l'économie comme une rampe de lancement pour sa candidature. Alors ils avaient avec Brigitte cet appartement absolument magnifique sur le paquebot de Bercy, tout en haut avec vue sur la Seine, 300 mètres carrés superbe. Et donc là, beaucoup de gens ne demandaient qu'à y être invités. Ils ont beaucoup, beaucoup reçu le matin, midi et soir pour justement commencer à penser au financement de la future campagne, voir un peu les réseaux.
J'allais vous poser une question, oui, parce que Sarkozy a fait exactement la même chose. On est en ministre de l'Intérieur, il préparait sa campagne, etc. J'ai une petite question, ouais, c'était est-ce que Sarkozy symbolise ce tournant, quelque part, des futurs présidents qui vont être après complètement soumis à l'oligarchie, même si c'est de longue date, parce que Chirac, je l'avais senti plus nuancé, par exemple, quand il avait refusé d'aller en Irak. Est-ce que Sarkozy incarne ce tournant, quelque part, président des riches, puis pour en arriver au président des ultra-riches, 10 ans après, presque? Oui, je dirais que Nicolas Sarkozy aggrave un tournant qui a été pris en réalité par François Mitterrand. Oui, en 1983. Bien sûr. En 1983, donc il est élu sur des valeurs de gauche, et puis 2 ans après, il tourne complètement sa veste, et il installe le néolibéralisme dans notre pays. Et quand nous, avec Michel, nous avons demandé un jour, on était à un dîner dans le 7e arrondissement, il y avait un banquier entre nous deux, et nous lui demandons, entre le fromage et le dessert, quel est votre ministre de l'économie et des finances préféré? Et il nous répond sans l'ombre d'une hésitation, Pierre Bérégovoy, qui était pourtant un ouvrier socialiste, et qui était, apparemment, un brave homme, quoi, un homme qui avait l'air sincère. Mais c'est lui qui a dérégulé l'ensemble des marchés financiers. Donc, si vous voulez, ce sont les socialistes qui portent la responsabilité de l'instauration du tournant néolibéral dans notre pays. Et c'est pour ça, quand vous avez des responsables de gauche qui se réclament de Mitterrand, on ne peut pas accepter ça. Hein. Et puis, alors ensuite, les choses se sont mises en place et puis se sont aggravées. Et Nicolas Sarkozy, vous avez raison, marqué un tournant dans le cynisme. Oui, hein, voilà, c'est dans ce sens-là que j'entendais, exactement. Dans le cynisme, dans le côté nouveau riche. Oui, avocat président. Voilà, richesse ostentatoire. Riche décomplexé. Voilà, riche décomplexé, voilà. Le président bling-bling. Voilà. Monsieur Sarkozy qui a été aussi avocat d'affaires chez Rothschild. C'est une donnée qu'on a eue récemment. Non, Nicolas Sarkozy, à ma connaissance, a été avocat dans un cabinet dont j'oublie le. Son nom était dans le nom du cabinet. On avait eu l'information qu'il avait travaillé pendant une année en relation avec la banque Rothschild. Je n'en suis pas sûre. Il a peut-être fait des affaires avec la banque Rothschild comme avocat, mais en tout cas pas à ma connaissance. En tant que prestataire. Peut-être, voilà. Mais donc voilà pour. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le président des ultra-riches, ce mépris de classe, cette violence de classe qu'il a exercée par tous les bouts depuis son arrivée, c'est complètement retourné contre lui. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, un mouvement populaire, réunissant des classes moyennes et des membres des classes populaires, est venu faisant fi de tous les corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques. Des gens qui tout frais, qui en colère, et puis qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de comprendre comment fonctionne l'oligarchie. Et donc pour nous, avec Michel aujourd'hui, c'est un moment important quand on vient apporter un livre comme ça, dont on sait qu'il va vous servir pour le débat, mais aussi pour votre propre connaissance, bien comprendre comment tout ça se passe. Une fois, si vous acceptez les lunettes que nous vous proposons avec ce livre, on va tous être très forts ensemble. Voilà. C'est ça. Alors, justement, moi, la question que je voulais te poser, Monique, c'est vraiment par rapport à notre mouvement, nous, les Gilets jaunes, on sent bien qu'on fait peur à une certaine partie de la population, je dirais physiquement. On fait peur. Alors, la question est, est-ce qu'on fait vraiment peur à l'oligarchie? Ça, j'en suis moins sûr. Si tu permets, je te le dirai, si. D'accord. Ça tremble dans les beaux quartiers. Il tremble dans les beaux quartiers parce que la seule chose qu'il redoute, c'est que vous êtes en train de mettre sur le devant de la scène l'antagonisme de classe, c'est-à-dire que vous vous battez contre les détenteurs des titres de propriété. Hein, le capital, les capitalistes. Et vous, qui êtes, qui avez que votre force de travail intellectuelle ou manuelle à proposer, vous sentez bien que l'étau se resserre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et qu'un beau jour, vous allez... C'est pour ça qu'il s'agit d'identifier les causes. Mais qui c'est qui fait fonctionner l'économie réelle? C'est nous, c'est nous. Et donc, leur seule trouille, eux, ils ne sont pas nombreux.
Alors, ok, ils détiennent toutes les richesses et tous les pouvoirs, mais ils ne savent pas faire fonctionner l'économie réelle. Donc, nous, on sait le faire, vous savez le faire, et ça, vraiment, ça leur fait peur. Tout ce qui est grève, tout ce qui est occupation d'espace public, tout ce qui est blocage, tout ce qui est fait terriblement peur, parce que c'est bloquer l'économie réelle. Et si Emmanuel Macron a sorti ces 10 milliards le 10 décembre, c'est bien parce que vous aviez gagné quelque chose. En réalité, c'était une mascarade, parce que ces 10 milliards, c'est vous qui allez les payer. C'est oui, nous, non, c'est hein. Comme d'habitude. Voilà. C'est de l'impôt différé. Il ne le prend pas, il ne l'a pas pris sur les cadeaux aux plus riches, comme vous le demandiez avec le rétablissement de l'ISF. Et surtout, ce qu'il faut rajouter dans vos revendications, le rétablissement de l'ISF, ça n'est pas suffisant. Il faut exiger la suppression de la flat tax. Parce qu'en fait, ces deux impôts sont liés. Alors, j'explique en 30 secondes. L'ISF, c'est le patrimoine mobilier, c'est le stock de toutes les actions et obligations que détiennent les puissants. Et ensuite, c'est ce capital financier. Chaque année, il produit beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Oui. Hein, c'est le revenu du capital. Mmh. Et donc, la flat tax, c'est un impôt qui concerne les revenus du capital. Et ce qu'a fait Macron, et que je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris, c'est qu'il a supprimé la progressivité de l'impôt pour les capitalistes. Les revenus du capital sont désormais imposés de manière forfaitaire, et plus, si vous êtes Bernard Arnault, vous avez des centaines de millions de dividendes, que vous soyez Bernard Arnault ou vous, si par exemple vous avez acheté une ou deux actions pour comprendre comment ça marche, vous serez imposé de la même façon à 12,8%. Et 12,8%, c'est en dessous de la première tranche d'imposition des salariés. Alors, les salariés, ça commence à 0% jusqu'à 9 000 euros, et après, c'est 14%. Et donc, vous comprenez ce que je dis, c'est très important et très grave. Et donc, dans vos revendications, il faut toujours, ça va les faire trembler, lier la suppression, le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax. D'accord. Et est-ce que tu penses que... Alors nous, on t'a invité aujourd'hui en tant que gilet jaune constituant du 91. Que vous êtes vous, pas moi. Hein. Oui. Bien évidemment, on ne va pas t'assimiler à notre groupe. Et en fait... Gilet jaune de cœur au moins, un petit peu. De sympathie, de solidarité, bien sûr. Et en fait, si tu veux, nous, dans notre groupe, on est vraiment à cheval sur le fait que, pour nous, hein, là, on s'exprime qu'en notre nom. Je regarde mes petits camarades, voilà. Parce que nous, c'est la démocratie vivante, donc elle est permanente. Et nous, le RIC, c'est la solution, la constituante, c'est la solution de notre point de vue. Hein. Donc réécrire une constitution pour avoir les contre-pouvoirs et le pouvoir de décider. On ne veut plus être gouverné, nous. On veut gouverner, c'est clair. Donc chacun a le droit à donner son mot. Alors on entend beaucoup de choses hein, pour nous dire que le RIC, vous ne vous rendez pas compte, ils vont rétablir la peine de mort. Et bon, bah non. Tu veux la peine de mort, toi? Non. Non, mais parce qu'on nous rétorque toujours les mêmes choses. On cherche toujours à déplacer le problème. Voilà. En vous stigmatisant, exactement, en vous traitant d'antisémite. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie idéologique et linguistique de ceux qui se sentent tout nus et qui se sentent aux abois un petit peu. Alors nous, peut-être qu'on psychote un peu, hein, mais on a l'impression que le RIC, c'est le seul truc dont ils ne veulent pas entendre parler, quoi. C'est-à-dire que moi, je respecte complètement vos revendications, mais je pense que comme sociologue, hein, c'est ça, c'est-à-dire que comme nous, avec Michel, on a travaillé pendant 30 ans sur cette oligarchie, on sait très bien qu'elle a une capacité d'adaptativité à intégrer la critique qui est extraordinaire. Par exemple, on a pas mal travaillé sur le mouvement de mai 68, et finalement, le mouvement de mai 68 a permis au néolibéralisme de s'installer en France au nom de la liberté individuelle. Tandis que nous, on est avec Michel pour, on est contre la liberté négative et individualiste du libéralisme, et on est pour une liberté positive de progrès collectivement partagé. Et ça, cette position-là de résistance qui est la nôtre, on ne peut pas ne pas dire qu'on est anticapitaliste. C'est-à-dire que c'est là, on a... Alors vous avez raison,
ce que je vais dire n'invalide pas vos combats pour le RIC, pour la constituante et tout ça, mais nous, puisqu'on embrasse le problème de tous les pouvoirs de l'oligarchie en France, à l'Europe et à l'échelle du monde, puisque cette oligarchie mondialisée et financiarisée, elle a ses propres cercles, hein, c'est Bilderberg, c'est la trilatérale, elle est organisée à travers le FMI, la Banque mondiale, elle a toutes sortes de lieux où ils adaptent pour défendre au mieux leurs intérêts de classe. Et donc, nous, on sait que le combat sera très dur, mais qu'il devra être global, c'est-à-dire que c'est une vraie révolution qui seule permettra aujourd'hui de sauver la planète et l'humanité. Parce que le dérèglement climatique, vous le savez très bien, puisque ça, vous avez commencé à vous mettre en bagarre à propos d'une taxe sur le carburant, va aggraver la violence de classe dans des proportions qu'on ne peut même pas imaginer. Bah, oui, parce que je reviendrai un peu sur les questions de constitution, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils veulent faire de la France comme ils ont fait à la Grèce, et qu'ils veulent instaurer un certain... Alors, c'est qu'une hypothèse, mais qu'ils veulent que l'Europe soit un peu un nouveau tiers-monde, quelque part. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, sur leur échéancier, eux, au-delà des Gilets jaunes, sur qu'est-ce qui nous prépare, en fait ? Notamment le traité transatlantique. Il y a de ça, mais il y a aussi la crise économique qui se profile, parce qu'il y a eu les subprimes aux États-Unis en 2008, mais on sent que ça arrive pour nous aussi en France, avec toutes les bulles qui gonflent. Et sachant qu'on est en récession mondiale depuis ce mois-ci. Là. Depuis peu, ouais. Et puis que les trilliards ouais. D'argent spéculatif, d'argent qui ne repose pas sur ni des réserves d'or, ni sur du travail. C'est la planche à billets qui fonctionne aux États-Unis, qui fonctionne avec la BCE. Hein, on tire de l'argent et du coup on permet à la spéculation et aux bulles de se créer. Et puis quand ça retombe, quand ça va retomber, ça peut arriver dans la seconde qui suit ce magnifique live, eh bien, ça va être terrible. Et ça sera bien plus grave, évidemment, que la crise de 2008. Mais là, cette fois-ci, par exemple, Emmanuel Macron, il a participé à la gestion de la dette avec Michel Pébrot au moment de la crise pour transformer une dette qui était uniquement privée en dette d'État, en dette souveraine, c'est en dette publique. C'est la socialisation des pertes. Hein. Voilà. Vous pouvez nous rappeler qui est Michel Pébrot ? Alors, il était à l'époque directeur général de la BNP Paribas. Voilà. Et donc, c'était le directeur d'une banque privée qui se retrouvait avec Christine Lagarde et d'autres personnes à Bercy pour gérer ça, faire cette transformation-là, pour qu'il sorte gagnant, finalement, d'une crise qui aura mis le peuple français à genoux. Parce que ce qui se profile, pour répondre correctement à cette question, c'est que, où que vous regardiez, si vous acceptez nos lunettes, vous apercevrez qu'on est toujours dans des processus de déshumanisation, dans des processus d'esclavagisation de tous ceux qui, de toute la main-d'œuvre, si vous voulez, tous ceux qui n'ont que leur force de travail à proposer sur le marché, qui sont en trop aujourd'hui, puisqu'il y a toute la révolution technologique, toutes les révolutions numériques qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Oui. Et on en a d'autant moins besoin que ce sont des bouches à nourrir. Selon leur point de vue, évidemment. Toujours. D'accord. Par rapport au livre, sur la trame du livre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? On le rappelle encore une fois, le président des ultra-riches, pour ceux qui nous ont rejoints, donc Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Alors, je rajoute juste une petite chose pour vous attirer sur notre livre, parce qu'il est quand même très... Enfin, on l'aime beaucoup. On organise toujours des promenades sociologiques, des promenades pour aller... Je sais que vous, les Gilets jaunes, vous aimez bien aller dans les lieux de pouvoir. Et donc là, par exemple, il y a tout un chapitre qui est consacré au Touquet. Et donc, on comprend la place de Emmanuel Macron dans ce qu'on appelle le microscope. Macron-plage. Le microscope, Touquet-toi. Et puis, on emmène aussi à la lanterne, dans le
président de la République bénéficie de 5 palais. L'Élysée, mais ça je sais que vous connaissez. La Lanterne, c'est peut-être moins connu. Donc nous, on est allé à la Lanterne et donc on raconte comment ça s'est passé. Ah oui, vous aviez écrit en plus aussi un livre, j'ai vu, sur les... Comment, j'ai pas le mot en tête, la chasse, justement. Oui, la chasse à courses. Oui, exactement. Oui, les rites, etc. Voilà, on a travaillé beaucoup à Chambord, là où Emmanuel Macron est allé fêter ses 40 ans. Chambord, en plus. Et ensuite, on emmène nos lecteurs devant le Palais de l'Alma. Le Palais de l'Alma à Paris, qui est coincé entre la nouvelle cathédrale orthodoxe et le musée des arts premiers, le musée de Jacques Chirac. Et c'est là que sont logés tous les conseillers d'Emmanuel Macron. C'est là que, par exemple, Madame Pinjot et sa fille Mazarine ont été logées par François Mitterrand pendant deux septennats. À l'époque, c'était septennat. Elle, c'était gratuit. Maintenant, on ne paye pas cher. Si Alexandre Benalla avait pu occuper son logement de 80 mètres carrés, il aurait payé 216 euros par mois. Pour être logé dans le 7e arrondissement, il y a pire. Voilà, on sait qu'il n'est pas malheureux, hein, Benalla. Juste une petite précision, les copains. Le livre, en fait, quand vous allez voir en librairie, moi, j'ai enlevé, il y a un petit bandeau jaune qui a été mis exprès en clin d'œil à nous, à notre mouvement. Hein, donc, pour le repérer plus facilement, vous verrez qu'il y a un bandeau jaune, couleur gilet jaune. Voilà. Parfait. Je vous le dis parce que moi, je l'ai enlevé pour le préserver. Je vais le garder pile poil comme il est. Sur le livre, alors, oui, c'est... Sur le livre, moi, je veux bien dire un truc parce qu'à un moment donné, Monique, tu parles de l'usine de Blanquefort. Mmh. Et là, il y a quand même des bouleversements, de nouveaux rebondissements sur cette affaire qui sont en train de se jouer actuellement, là, puisqu'on a encore vu M. Poutou il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette affaire de Blanquefort et peut-être faire le lien aussi avec ce qui s'est passé à Amiens, d'ailleurs, Whirlpool, Arjo Marie Wiggins en ce moment. Enfin, je veux dire, on a là une trame qui est toujours la même et qui conduit toujours aux mêmes conséquences. Qu'est-ce que toi, comment tu l'analyses, en fait? Je l'analyse comme vous, c'est-à-dire que on a fait croire aux ouvriers de Ford qu'il y avait peut-être un espoir avec un repreneur, mais en réalité, la multinationale américaine avait fait son choix tout de suite, c'est-à-dire à partir du moment où elle a touché le dernier centime d'euro de subvention publique qu'elle pouvait toucher pour maintenir Blanquefort. Ils n'ont même pas attendu le mois de mars 2018 pour l'annoncer, ils l'ont annoncé dès le mois de février puisqu'ils avaient palpé tout l'argent. Donc, dans un cynisme, la multinationale remporte beaucoup d'argent, elle a un chiffre d'affaires et des bénéfices tout à fait florissants, et pourtant elle décide de licencier un petit millier d'ouvriers à Blanquefort. Les ouvriers, avec notamment Philippe Poutou de la CGT en tête, se sont battus pendant des mois et des mois, et toujours on fait croire que peut-être il y aura, voilà. Et puis on ne demande qu'à y croire, puis de toute façon se battre ça fait du bien, ça permet de rester digne, tant qu'on est debout, on peut vivre, c'est à partir du moment où on plie les chines qu'on commence à sombrer, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est partout pareil. De toute façon, maintenant, les entreprises sont devenues des marchandises qui doivent dégager du cash. Et si elles n'en dégagent pas, on les vend ou on les abandonne. On part en Pologne, ce qui est le cas pour Ford. Et voilà, c'est de la marchandisation. Et dans notre livre, on montre même qu'un des plus proches conseillers, des plus proches amis donateurs d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Borello, celui qui est à la tête du groupe SOS, qui regroupe je ne sais combien d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme on dit dans leur beau langage, en novlangue. Et donc, lui, fait du business sur le social. Maintenant, on peut faire du business sur les places pour sans-abri dans les centres d'hébergement. Maintenant, on peut faire du business. Je veux dire, vous voyez, vous représentez Macron, vous prenez un pauvre type, là, comme ça, et puis il dit, ouais, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose à prendre. Jusqu'au bout, ils dépèceront leur fou, hein, ouais. C'est faux. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, ça démontre bien la manière dont on désincarne les gens. C'est-à-dire que c'est plus... Maintenant, on est devenus des marchandises, nous, à leur niveau, mais vraiment d'une manière complètement décomplexée.
Je veux dire, quand on fait ce genre de licenciement, alors que tout le monde s'attend à ce que ça se passe, en fait. On voit le combat de nos copains. Hein. Philippe, si tu nous regardes, on est avec toi. Mais on les voit se battre, on les voit relever la tête et se payer de bomber le torse et dire « Mais attendez, on est des êtres humains. Nous, on se battra jusqu'au bout pour notre dignité. » Mais en fin de compte, on connaît déjà, malheureusement, la finalité de la chose. Et ce que tu disais, j'aime beaucoup aussi... Denis Robert, dans un de ses livres, l'affaire de Claire Stream, racontait un ouvrier de Daewoo, avait bien expliqué cette mécanique, c'est-à-dire que en fait, les entreprises multinationales arrivent sur le sol français, créent une usine, elles engrangent donc de grosses subventions de l'État, mais en fin de compte, ce qu'on ne sait pas, nous, c'est qu'en fait, ils créent un produit financier en marge de l'activité économique réelle qui a lieu sur cette usine. Et une fois que le produit financier fonctionne tout seul, et ben on ferme l'usine. Et en fait, surtout ce produit financier qui monte ou qui descend, il gagne de l'argent. Bien sûr. Bien ça le principe. Mais surtout que c'est un produit qui a été fabriqué, entre guillemets, à la base de l'argent de l'État, notre argent. En fait, c'est ça. Mais voilà, je veux dire, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies parlé de Philippe Poutou et de son combat à Blanchefort. Ça fait déjà... t'as relancé ta vidéo, toi ? Je crois que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on y est. On va passer aux questions-réponses. Là, il y a une question. Alors, quelle stratégie pour durer ? Et je rebondis en même temps sur l'aspect de constitution, parce que justement, avoir mis le doigt sur l'oligarchie comme, entre guillemets, responsable de tout ça et qui perpétue ce système, nous, en tant que Gilets jaunes constituant, là, sur le 91, et l'aspect constituant, c'est de dire que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et donc d'arriver à une finalité, d'écrire une constitution citoyenne, alors soit au niveau local qu'on y réfléchisse tous, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ateliers constituants. J'imagine bien ce que ça peut... Voilà, des ateliers où on réfléchit aux règles du pouvoir, donc soit au niveau local, ou par tirage au sort, avoir des échantillons représentatifs de la société, donc ça c'est vraiment pour l'avenir. Mais au-delà de ça, donc nous on a cette visée pour, en tant que stratégie de long terme, mais donc pour vous, quelle stratégie pour durer pour les Gilets jaunes et comment au final arriver à renverser la pyramide, on va dire C'est-à-dire que moi j'ai fait mon boulot avec Michel et je continuerai à le faire. Oui, déjà au niveau informatif. On fait notre travail de sociologue, de vigilance oligarchique avec les outils de la sociologie. Vous, vous avez d'autres combats, une autre histoire. Et nos histoires, nos combats doivent se rencontrer, doivent dialoguer, ce qu'on est en train de faire, et c'est très bien. Et je pense que tous les combats que vous menez au niveau politique, à travers vos ateliers de constituants, enfin tout ça, c'est des combats justes. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais ce sont des combats d'autant plus justes qu'ils sont profondément éducatifs. C'est-à-dire qu'ils vous socialisent, ils vont vous... Ils recréent un lien social, voilà, en fait. Ça va vous faire vos... Nous, il y avait les écoles des syndicats, il y avait les écoles des partis, quand on était militant à ma génération, et tout ça a disparu. Et donc là, vous êtes en train de créer des universités populaires dans les ronds-points, vous êtes en train de créer les ateliers de constituants. C'est très bien, c'est vachement bien. Et il faut continuer, parce que après, c'est vous qui allez évoluer, qui allez finalement décider de quels sont les moyens à prendre pour sauver la planète et l'humanité, puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Bien sûr. Et dire non à l'esclavagisme et à la déshumanisation des travailleurs. Voilà. Okay. Il y a une petite question là, on parle de Simone Veil, donc la philosophe, et la note suppression générale des partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez des partis politiques? Est-ce que. Nous, on pense que c'est un filtre à la démocratie réelle. Mais qu'est-ce que vous pensez des partis politiques en général, liés à l'oligarchie pour le coup ? D'abord, il n'y a pas les partis politiques, il y a une diversité de partis politiques
qui sont portés par des intérêts souvent très divergents. Oui. Je veux dire, le Parti communiste, le NPA, Lutte ouvrière, sont des partis, mais qui n'ont rien à voir avec le mouvement de En Marche, qui est un parti politique déguisé, avec le Parti socialiste, avec les Républicains. Je veux dire, il y a des vrais enjeux politiques derrière. On ne peut pas mettre tous les partis ou tous les syndicats dans le même sac. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas dire l'État fait ceci, l'État fait cela, non, tout est question de rapport de force social, économique et politique. Et donc il faut faire très attention justement à ne pas tomber dans l'amalgame de mettre tout dans le même sac en parlant des partis politiques par exemple ou des syndicats. C'est pareil, vous, les Gilets jaunes. Alors moi j'ai eu du mal à dire les Gilets jaunes. En même temps, je trouve que c'est génial votre idée. Mais j'avais peur de vous réifier, de vous déshumaniser. Hein? Oui. Mais non, en même temps, je me suis dit, mais non, parce que en fait, en disant les Gilets jaunes, on montre que vous êtes dans la solidarité, dans quelque chose dans une identité commune. Voilà, en fait, dans une identité commune que vous revendiquez. Et puis par le Gilet jaune, l'envie d'être vu et reconnu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis et grâce à M. Sarkozy, d'ailleurs. Voilà. Mais si vous voulez, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a besoin de l'histoire du syndicalisme français, de l'histoire des partis politiques de gauche français, et qu'il faut se nourrir chacun les uns des autres de ce qu'on apporte. Et donc là, vous, ce que vous apportez aujourd'hui, pour moi, c'est un courage immense. Vous manifestez dans les lieux de pouvoir, vous attaquez, enfin, quelquefois violemment, les emblèmes du capitalisme à travers les banques. Vous mettez des graffitis qui délégitiment le président de la République d'une façon, humaine. Vous attaquez au bonhomme et vous foutez de la fonction présidentielle. Hein. Vous mettez à nu, en quelque sorte, de cette manière. On parle d'un concept de révolution lente, donc sur le long terme. On essaie de développer ça, du moins. Mais comment vous voyez que ça pourrait se concrétiser réellement? Parce que, par exemple, on a un de nos collègues, il dit une révolution, en vrai, c'est 20 minutes, quoi. On y va, tout. Alors, sans parler vraiment violence, mais comment vous voyez qu'on peut sortir de cette crise et juger l'oligarchie à la fin qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, ensemble? Oui, non, bien sûr. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la sociologue qui est là, et Michel dirait la même chose que moi, on est des sociologues, on n'est pas des prophètes. Bien sûr. C'est-à-dire que tout et personne ne peut prophétiser ce qui va se passer. On travaille ensemble, on avance ensemble, on échange, on se transmet des connaissances que nous, on a pu acquérir au CNRS, on vous les apporte sous forme de livres et sous forme de live. Vous nous apportez votre contestation forte et visible. Et donc voilà, et c'est tous ensemble qu'on finira par gagner sur cette oligarchie. Mais si vous voulez, il faut être patient. On est d'abord sur le plan des idées, en fait, de faire remettre en commun les idées, redévelopper le lien les social. Les idées, les actes doivent aller ensemble, c'est indissociable. Mais il faut vivre intensément ce que l'on a à vivre chaque jour quand on se bat. Parce que déjà, se battre, c'est acquérir notre dignité, c'est pouvoir rester debout, se regarder dans la glace. Ouais, et puis, comment vous dire, en plus, comme vous, je sais que ce que je vais vous dire vous plaira parce que vous le faites, on peut aussi se battre dans la joie. Oui, dans la joie et le bonheur. Et être bien plus heureux de se battre que de subir. Voilà. Donc avant tout, être dans le moment présent, en fait, et puis faire ce qu'on a à faire au jour le jour. Voilà, on a le droit de rêver, on a le droit d'avoir des perspectives. Mais personne ne peut répondre à cette question de manière responsable. Ok. Alors on va passer à notre question, on n'a rien à voir. Mediapart, on nous demande Mediapart indépendant ou opposition contrôlée? Que vous pensez de Mediapart? Écoutez, non, moi je suis admiratif du travail de Mediapart parce que grâce à eux, il y a eu l'affaire Cahuzac qui est tombée. Chaque fois, je pense aussi au travail de Laurent Mauduit qui a publié juste un peu avant nous dans la même maison d'édition à la découverte la caste sur les inspecteurs des finances.
s'en prendre précisément aux inspecteurs des finances qui sont à Bercy avec la direction du Trésor, les responsables de nos finances, et ce sont eux qui ont trahi, eux qui ont tout privatisé et eux qui ont pris les rênes après des privatisations qu'ils avaient mis en route pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, tout ça, c'est Laurent Mauduit qui est un journaliste de Mediapart. Voilà tout le travail qu'ils font. Et donc, moi, je suis admirative du travail. J'en sais pas plus, après tout. Super, voilà. Ça répond à la question. Ouais. Sachant qu'Edwin Plenel est un ancien du Monde, est-ce que ça... Ouais, mais c'est un dissident. Ça ne joue pas dans cette perspective. Non, parce qu'au Monde, c'était sous la période de Mitterrand, et j'ai souvenir qu'il a dévoilé des choses qui étaient... parfaitement impertinente et d'une façon très responsable. D'accord. Alors, une autre question. Alors, sortie de l'euro, une solution. Donc, je pense euro, la monnaie, mais l'Union européenne par intermédiaire. Qu'est-ce que vous pensez du Frexit, clairement? C'est-à-dire que j'ai du mal, avec notre travail sur l'oligarchie, à découper le saucisson en tranches. Ouais. Donc, si vous me posez une question précise sur sortir de la zone de l'euro, le Brexit, le Frexit, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, je peux vous dire que l'Europe néolibérale qui a été mise en place par les Américains lors des accords de Bretton Woods, avec la complicité des Jean Monnet, puis des Jacques Delors et de tous les socialistes soi-disant de gauche, qui ont construit ce carcan avec ces traités qui nous enserrent, qui nous obligent à rembourser des choses qu'on n'a pas à rembourser, eh bien ça, c'est ça qu'il faut mettre à bas. C'est l'ensemble du système néolibéral, c'est l'ensemble de toutes ces politiques d'ajustement structurel. Parce que si on prend les choses les unes coupées des autres, ça c'est les stratégies des médias, c'est la stratégie des dominants, nous donner en pâture, voilà, de toujours diviser, de nous parler de conflits d'intérêts, alors qu'ils sont toujours dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Eh bien nous devons être dans la synthèse de nos propres intérêts tout le temps. Super. Jacques Delors, donc, c'était lui qui avait désindexé les salaires de l'inflation, ça veut dire rien. C'est lui l'ancien président de la Banque de France. Il a surtout eu un rôle majeur, je crois, dans la création de l'euro. Oui, c'est un des pères de l'Europe moderne. Voilà, exactement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, comment faire tomber les oligarques? J'essaie de les prendre dans l'ordre. Bon, on a à peu près parlé de ça. Êtes-vous optimiste concernant l'éveil du peuple français? Vous avez à peu près répondu. Là, oui, dans cette boulangerie au fin fond de l'Essonne, avec trois gilets jaunes. Voilà. Les manifestations du samedi, toujours une solution. Mais là, c'est une question de présence. Hein. Oui, tout est bon. Oui, voilà. Je veux dire, il n'y a pas, de petits combats. Il faut être sur tous les fronts et dans tous les instants. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle avec Michel la vigilance oligarchique, qui ne doit pas connaître de sommeil, qui ne doit pas connaître de nuit. Et où il faut être toujours les empêcher de vivre tranquillement. Le concept de veille oligarchique. Qu'ils soient toujours sur le pied de guerre. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec les médias et certains lieux de pouvoir aussi, d'aller en maraude, entre guillemets, sur Paris, et puis de faire les lieux de pouvoir, leur montrer qu'on est là, qu'on sera toujours devant chez eux et que ça continue. Ouais, on lâchera rien. On avait fait. Pensez-vous que nous sommes au tournant du nouveau mode de gouvernance? Oui, alors pensez-vous que nous sommes au tournant d'un nouveau mode de gouvernance jusqu'ici impensable pour la plupart des peuples? Est-ce qu'on va, on peut changer de paradigme? Est-ce que, alors ça reste dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais... C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut, toujours tout changer. Oui, c'est... D'ailleurs, il va vraiment le falloir. Je reviens de manière obsessionnelle, mais c'est parce que c'est le dérèglement climatique. Pourquoi j'insiste tant sur le dérèglement climatique? Parce que c'est le dérèglement climatique qui est en train d'interconnecter toutes les inégalités. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre sur cette planète, avec le dérèglement climatique... vous allez être emporté par les eaux, vous n'allez pas pouvoir vous protéger des canicules, des inondations. Vous n'aurez pas le pouvoir de le dire parce que vous n'avez pas la possibilité politique de vous exprimer. Et on arrive à un espèce de rendez-vous avec notre histoire. Je ne peux que saluer votre présence pour l'instant à ce rendez-vous-là de la part des Gilets jaunes, en tout cas de vous.
Alors, c'est quoi? Est-ce que l'expérience communautaire vécue en Espagne en 1936 vous paraît être une idée porteuse, pardon? Pourquoi pas? Enfin, tout est, je sais pas, oui, comment, tout est bon tout dans est, le cochon. Enfin, je veux dire, tout est bon. Tout mouvement social est porteur, voilà, assez bon et ses voilà, inconvénients. On ne peut pas opposer. Ça s'est construit comme ça en Espagne parce qu'il y avait un rapport de force à ce moment-là qui permettait de faire ça. Il y avait cette envie de le faire. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, j'en sais rien. Bon, question simple. Beaucoup de syndicats vendus. En interrogation. Beaucoup de gilets jaunes s'interrogent hein, sur le rôle réel des syndicats. Par exemple, nous, on vous en parlait tout à l'heure, on a été au dîner du siècle, on a vu qu'il y avait des membres de la CGT, enfin des cadres de la CGT comme de la CFDT qui allaient au dîner du siècle. Bon, cette collusion oligarchie et haute hiérarchie des syndicats, bon, c'est pas étonnant. Si je suis, enfin je suis, de la part de la CFDT, je ne suis pas étonnée puisqu'ils sont. C'est un syndicat libéral, donc c'est pas, il l'assume. De la part de la CGT, je demande à voir. Voilà, elle apparaît bien, hein. Monsieur Ledigou apparaît bien sur les listes entre 2009 et 2011. C'est assez étonnant d'ailleurs. D'accord. Très étonnant. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Bah, ben, c'est parfait, moi j'ai plus qu'à vous remercier ceux qui ont écouté. Voilà, bah, là on est 240 personnes en direct. Bon, mais écoutez, merci de ce partage collectif, merci à vous tous. Une petite dernière question. Oui, alors est-ce qu'on peut avoir des questions concernant les oligarques eux-mêmes? C'est-à-dire, là, nous ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une montée de certains oligarques qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, si on visite vos ouvrages, Monsieur Patrick Drahi est quelqu'un de. C'est un nouvel arrivant dans l'arène oligarchique, si on peut dire ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu votre ressenti sur, sur ce type d'arrivée et une ascension fulgurante? Alors, il faut. Pour que la reproduction de l'ordre social se fasse, il faut évidemment que tout change pour que rien ne change. Et donc, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux venus. Et avec Michel, on a fait un livre sur les nouveaux patrons qui font à la première génération une fortune considérable. Et on a essayé de comprendre que devenait cet argent au moment où ils atteignent la cinquantaine. Est-ce qu'ils vont associer leur famille à leur entreprise ou au contraire dissocier les deux? Et on s'est rendu compte avec cette enquête que les seuls qui allaient être cooptés par le Gotha étaient ceux qui avaient fait donc beaucoup d'argent, c'était la condition pour faire cette enquête, et ceux qui avaient inscrit la transmission de cette richesse dès leur plus jeune âge dans leur famille, aux générations suivantes. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, que c'est le second critère après l'argent? Vous faites des dynasties d'une certaine manière. Vous avez raison, c'est le bon terme. Mais après, pourquoi la bourgeoisie, par exemple, après la révolution de 1789, a fait comme la noblesse d'inscrire l'argent dans le temps long de la dynastie familiale? Parce que ça empêche toute théorie du ruissellement. Ça empêche le ruissellement des richesses de se faire non seulement à la génération où on vit nous, mais dans le temps long des générations. Parce que si vous voulez... Donc vraiment verrouiller, quoi. Verrouiller. Il faut que l'argent reste à l'intérieur de la confrérie des grandes familles. Et ça, que les classes moyennes et les classes populaires, bien entendu, n'en voient jamais la couleur. Et donc, c'est vous dire si on se moque de nous, si on nous manipule, comment c'est du pipeau, la théorie du ruissellement. C'est ce que j'allais dire. En fait, M. Macron et toute sa majorité, en fait, nous ont pris vraiment pour des imbéciles en nous faisant croire que précisément, alors le CICE, etc., vous allez voir, ça va ruisseler, alors qu'ils savent qu'en fait, c'est déjà verrouillé et qu'il n'y a rien du tout qui va ruisseler. Vous le savez déjà, mais... Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a le contre-argument fatal face à cet argument macronien. Quoi. On avait aussi une question d'internautes. Beaucoup d'internautes nous posaient la question, est-il vrai que M. Henri de Castries et M. Patrick Drahi ont participé au financement de la campagne électorale de M. Macron? Patrick Drahi, oui, c'est dans notre livre. Henri Delacroix de Castries, hein, c'est une vieille famille de l'Ancien Régime. J'en suis moins sûre parce que le cheval politique du comte Henri Delacroix de Castries était François Fillon. C'était son meilleur ami. Donc, à mon avis, il a dû quand même mettre l'argent pour François. Et puis, après, dès que François est tombé,
après le premier tour, Henri de Castries a à ce moment-là rejoint Macron. Et là, je ne sais pas du tout s'il y a eu des... Donc on a bien une preuve formelle, en tout cas, que M. Patrick Dray a bien participé financièrement, financièrement à la campagne électorale de M. Macron. On va arrêter là. Une dernière question qu'on avait oubliée. Mais il faut savoir s'arrêter, parce que de toute façon, après, je redis un peu la même chose. Ça dépend si c'est des questions vraiment différentes, je ne sais pas. Mais... Il y avait des questions par rapport à l'aéroport de Paris, oui. Française des Jeux. Oui, on est bien. FDJ, ça te rappelle quelque chose. Vas-y, je te laisse la lire. Alors, comment empêcher la vente d'aéroport de Paris et de la Française des Jeux qui rapportent des millions à l'État? Ben, on s'y oppose chacun avec ses armes. En tout cas, il faut vraiment s'y opposer, parce que c'est vraiment des services publics. Le jeu, on ne peut pas plaisanter avec ça, hein, parce qu'il y a des tas de problèmes moraux, éthiques qui sont derrière. Livrer la Française des Jeux au monde du fric, alors là, je trouve que c'est... Voilà, on touche le fond. Et en ce qui concerne les aéroports, ben c'est pareil. Il est hors de question que des services publics à grosse responsabilité vis-à-vis de la sécurité de nous tous... sécurité par rapport aux attentats, sécurité par rapport à la sécurité aérienne et tout ça, soit livré aux mains d'assoiffés, d'affamés d'argent. C'est pas possible. Il faut que les services publics restent aient comme objectif la défense de l'intérêt général, la défense de nos intérêts d'humains. Hein, il y en a marre que tout soit marchandisé, que tout soit source de profit. Maintenant, la moindre petite... plante au fin fond de l'Inde va devoir rapporter du fric à des actionnaires. Donc, si vous voulez, les ventres des mères pauvres d'Afrique va servir à faire des enfants pour des femmes qui des pays riches qui n'auront même plus le temps de faire des maternités parce qu'il faudra qu'elles bossent tout le temps. Voilà. Donc, tout est marchandisable. Alors, toujours un petit mot concernant ADP, puisqu'on a plusieurs questions qui allaient dans ce sens-là. Petit mot peut-être sur Vinci, parce qu'on sait que c'est Vinci qui va racheter ADP, si malheureusement ça se fait. Petit mot peut-être sur Vinci, cette société, pourquoi elle? Pourquoi Vinci? Ben, sûrement parce qu'il y a des accointances très fortes avec les pouvoirs en place. En tout cas, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que j'ai fait le lien entre la présence au sommet de la multinationale Vinci, Xavier Huillard et ses millions d'euros qu'il gagne chaque année, et le vice-président Pierre Gaudret, si j'écorche pas son patronyme. Et comme on a travaillé avec Michel sur l'implantation d'un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement, qui est géré par l'association Aurore, on s'est aperçu que Xavier Huillard et Pierre Gaudet étaient vice-président et président de l'association Aurore. Ah, c'est comme pas mal, hein. Ouais. Et excellent. Donc, si vous voulez, dès qu'on se met à travailler comme ça, à repérer les différentes postures dans les différents coins de la société, on voit qu'on a là une espèce de pieuvre oligarchique qui ne laisse absolument rien. Rien en dehors de son contrôle et de ses pouvoirs. Juste pour rebondir, parce que Monique et moi, on a déjà eu l'occasion, il y a quelques mois, une autre occasion, de discuter par rapport à la privatisation de la Française des Jeux. Et là, les amis, Française des Jeux, privatisation, il y a 6 millions de joueurs hein, de mémoire en France. Et moi, de ce que je sais des différents joueurs que je connais, c'est que tous, depuis des années, me disent « le jour où c'est privatisé, je deviens actionnaire parce que j'en ai marre de pas gagner le gros lot », entre guillemets. Ouais. Donc les gars, si le maire veut vraiment privatiser la Française des Jeux, on a un moyen unique, une occasion unique de démontrer que même si nous, on est la classe dominée pour l'instant, on a aussi, nous, si on se met tous ensemble, une puissance financière telle qu'on peut racheter la Française des Jeux à nous tous. En mettant 100 balles chacun, on est 60 millions, je peux vous garantir qu'on le vendra. Et surtout, surtout, en faisant ça, ça permettra de ne pas permettre à Monsieur le maire de brader la Française des Jeux à ses petits camarades. Parce que généralement, ces sociétés-là, quand elles sont vendues, elles sont bradées. Oui, quand même. Oui, regardez ce que rapporte la Française des Jeux. Vous pouvez déjà avoir une idée du prix réel que ça vaut. Et puis surtout, les privatisations nous coûtent très cher. Par exemple, je crois que c'est François Ruffin qui a dit, lors d'une réunion à laquelle je participais,
que ce que touchaient les actionnaires des autoroutes, donc on retrouve notre multinationale Vinci, ce qu'ils touchaient chaque année sous forme de dividendes, permettrait de rendre tous les transports gratuits dans toutes les grandes villes de France. Donc ça, c'est une image qui est forte. Parce qu'on se rend compte, quel bonheur, si on n'avait pas, moi je veux bien payer, ça ne me gêne pas, mais je veux dire, c'est fabuleux de savoir qu'à Paris, on pourrait circuler en bus, en métro, je ne sais pas, ça serait joyeux de tous être à égalité, comme ça. Vous avez déjà entendu parler de Paul Ariès, qui travaille sur ces questions de gratuité des services publics, etc., qui fait un super boulot. Oui, tout à fait, on est en accord avec lui. On va s'arrêter là. Alors, les internautes vous remercient beaucoup. Des gilets jaunes du 91, du rond-point... N20. N20 Montlhéry. C'est précis, Montlhéry, voilà. Gilets jaunes 91, constituant. Voilà. Et pour info, donc on va faire une autre partie avec Michel, qui sera sur YouTube, montée avec cette vidéo. Donc voilà, il y aura une suite sur YouTube. Avec Michel, on va reprendre l'ensemble de notre travail. L'ensemble du travail depuis ces dizaines d'années. Bah,